on se retrouve aujourd'hui sur Dragon Ball Fusionnement, mais c'est pas possible. Arrête, c'est ce que tu dis. Wesh la team, j'espère que vous allez bien. Mais regardez, c'est plaisir, c'est pas plaisir. Mais vous voyez pas vous. Mais quoi, y'a rien. Il est sur un fauteuil pour essayer de mettre en plus. Il est à marche-pied les frères. Il m'a demandé à marche-pied. Normalement il arrive là. Arrête. Il est tellement petit qu'il est sur un fauteuil. Ah mais on peut pas voir à la caméra. C'est n'importe quoi les amis. J'espère que vous êtes tous très bien. On est là pour ouvrir du pack opening sur Dragon Ball Fusion World en compagnie de Sucre qui est à la maison. Voilà. Non mais c'est lui qui peut faire ça. Parce que j'aime bien l'introduire. T'aimes bien l'introduire. Wesh. Ah c'est trop. C'est trop. Bref. Et du coup le frérot, qu'est-ce que vous voyez là? T'es mal à la coupe de cheveux. Non, là, la coupe elle part en vrille. C'est quoi ce projet capillaire, les gars? Y'a rien qui va. Oh là là. Mais c'est. Pourquoi tu laisses tes cheveux comme ça? Parce que projet capillaire, je veux les cheveux longs. Les gars, dites-lui dans l'espace commentaire, y'a pas de projet capillaire. Coupe. Regarde comme moi, tu vois. Coupe, tu vois, tu sais. Non, c'est. Non, oh là là. C'est honteux. Oh là là. Oh là. Les frères. Non. Non. T'as vu les cheveux longs? Staff, oh là, les frères. Non. Mais il m'a bien coupé le coiffeur par contre. Non, mais il a massacré, il a la tronçonneuse derrière. C'est pas un coiffeur ça. Il lui donnait des sous. C'est pas un coiffeur ça. Rien. Oh là là. Bon les gars, je crois que c'était mon pote. Ah ouais, non non mais les gars, on est obligé. Quelle vidéo toi t'as à faire? T'as rien à faire. Les amis, voilà, j'ai ces deux Gugus qui sont chez moi et on va ouvrir. Merci Mick Beef. C'est Mick Beef. C'était une dernière donation. 5,99€. C'était une donation. Mais c'était au dernier live. Et il te suit depuis PES. Ouais, exactement. Il me suit depuis. Comment tu sais? Ah oui, c'est marqué. Ouais, il avait mis un message. Mais n'importe quoi. Moi je sais. Bon, bref, les amis, aujourd'hui, pack opening. Il y a 10 tickets avec tous les codes qu'on rentre petit à petit. Parce qu'il y en a des codes à rentrer. On en a rentré 10. 10 c'est tout. Je sais très bien ce qu'il a envie de dire. Il est venu. Les gars, il a encore plein de boosters. Il veut pas les mettre. C'est vraiment un crevard. J'y vais petit à petit. Je suis rentré dans sa chambre. J'avais l'impression de rentrer dans un bureau de tabac. Il y avait 12 displays là avec les prix. Qu'on pouvait acheter. Des decks. Il y avait des decks, japonais, des decks chinois, des decks frères. Les gars, vous savez très bien, on a réussi à récupérer pas mal de displays, pas mal de decks. On va pas s'en plaindre. Grâce à qui? C'est pas grâce à toi. Non. Grâce à Ludo Trotter. On remercie Ludo Trotter. Oui. Voilà. D'ailleurs, Ludo Trotter, si tu es proche de Montpellier, je suis pas là. Donc n'hésite pas mon ref, n'hésite pas, on va ouvrir des cartes, on est présent, voilà. On a pas besoin de toi. Si Ludo. Bon, bref, les amis, parce que là, on part, et Parkage, si vous passez par là. C'est là où ça part en délire. Bon, bref, allez, on va ouvrir, les amis, on veut de la secret, on a 10 codes, donc on va ouvrir des packs chacun notre tour. 3, 2, 1, le max. Yeah, allez, c'est parti les gars. Allez, on veut de la lueur rouge. Alors même s'il n'y a pas de la lueur rouge, on sait qu'on peut avoir du lourd. Alors attends. Oui, je toutes les SR. 1, 2, 3, 4, 5 SR. 5 SR, dont 3 rares et... qu'est-ce que je raconte? Non, 6 SR. 6 SR, 3 rares et 1 rien. Moi je t'ai suivi. Mais il y a un mais. Parce qu'on peut avoir du switch secret. Vous savez quoi? Ouais, il peut avoir des fake outs de ouf. Alors bah vas-y, je vais commencer le premier pack. 3, 2, 1. Yes! C'est parti, on veut du rouge. Pas de rouge. Bon. Il y a la SR. Y'a rien. Ok, Goku, okay. Pas mal ça. Ok, le Gohan, pas mal aussi le Gohan. Ouais, ok, Goku, attention, on va la faire après. Ok, allez. Yes! C'est parti! Très bien. Oh, je prends très pour le deck vert. On va pouvoir te le mettre dans le deck de Broly. Ouais. Exactement. Je vais pouvoir mettre la carte dans le deck vert. En plus, dans le deck vert. Je ne l'avais pas comme ça parce que j'avais ces versions alternatives. J'en ai deux en alternative. Du coup, maintenant, je l'ai en normal aussi. Hein. Mais voilà. Ok, on est content. Sucre, vas-y. Allez, monsieur. Le bon doigt, les amis. Allez, attention. Allez, monsieur. C'est parti. Allez, bon. On est où ça là? Ouais. Allez, pour moi. Allez. Ok, un CSR. Ouais, ok. Code pour le deck jaune. Barbarian. Barbarian. Je l'ai jamais vu cette carte de ma vie. Si, c'est Beerus quand il arrive sur le truc des dinosaures. Non, mais je parle de. Merci de me raconter Dragon Ball, frérot, ça me fait plaisir. C'est très gentil. Parce qu'il a dit. Et en plus, c'est pas Beerus. C'est Zamas.
quand ils sont en train de faire le tour avec Gohasu. Je sais plus. Voilà, donc quand on connaît pas Dragon Ball Super, monsieur Ikei, on reste sur il est parti dans le dans voilà. l'autre idée du dinosaure aussi. Non, parce que rien à voir avec Beerus. Alors, du coup, si il y a un épisode ce dis-lui. Si si, dis-lui. Attention. Vas-y, tu vas voir. Est-ce que tu vas choper la Yekei alternative? Non, moi je veux du Vegeta SR vert. C'est parti. Ouais. Vegeta SR vert. Je prends. La Beerus, c'est pas mal. Il en faut pas forcément 4. Elle coûte cher. 2, ça suffit, tu vois. Ouais, mais 3, c'est bien aussi. Toi, tu es sûr? Ouais. Tu veux qu'on t'avance pour marcher? Non, merci. Oh, il y a une leader. Si jamais t'as une leader alternative, c'est pas mal aussi. Ok. Ok. Doucement. Non, mais là, on a même pas le temps de voir. Non mais là y'a rien. Vas-y. Là y'a rien là. Par contre Docteur Gero pour le deck Cellule 7-18 c'est pas mal celui-là. Ouais. Parce qu'il si permet de les androïdes. Mais faut jouer les androïdes. Celui-là je joue pas. Celui-là je joue pas. Ah ouais. Ouais. Oh, oh alternative. Ginyu alternative. Son, pas mal. Son deck est incroyable en plus. Ouais. Ouais. C'est vraiment pas mal. Ok. Ok. Pourquoi tu me regardes parce que non, il me regarde trop bizarre lui. Je connais pas le deck, on en parlait tout à l'heure. Ah, non, c'est faux, j'ai dit je n'ai jamais rencontré le Ginyu. Tiens, tu aimes changer les. Je connais pas le deck. Le gars, j'en peux plus de cela. J'insiste, tu ne connais pas le deck. C'est un truc de fou. Les amis, allez. T'es droite avec qui? Il y a une dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne de Yekase. Non, elle est pas encore sortie. Si, mais au moment où il postera sa vidéo, elle sera sortie. Je pense pas. Et du coup, les amis, vous allez voir. T'es droite avec qui, Ginyu? Broly contre C17, C18, incroyable. Ouais, ils se sont affrontés les deux. D'ailleurs, il y a la première vidéo qui est sortie sur la chaîne de Susuk. C'est jamais allé la voir. Qui est d'ailleurs, qui au moment où on parle, n'est plus disponible. Parce que je l'ai mis en privé. Ouais, ils se sont affrontés, les amis. Donc, bien évidemment, je vous invite à aller voir ces vidéos sur les deux chaînes que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Allez, Baki Doumbé. Parce qu'on est à la veille du combat Baki Doumbé. Ouais, mais ça y est, c'est passé maintenant. Mais justement, comme ça reste pour la postérité. Moi, ils savent. Moi, je suis Team Baki parce que c'est mon frérot, je le connais, c'est tout. Moi, je suis Team Baki, tu vois. Après, on verra. Si jamais on va dans les loges, je peux pas dire Doumbé, sinon je peux pas rentrer. Ah non, mais moi, je le dirai pour toi. Moi, je le dirai pour toi. Dis-toi à qui? Itché. Allez. Moi, Baki. Voilà. Doumbé. Okay. Ok, allez, ok, Krillin. Ok, ah, fait quoi la Krillin permanent elle peut pas attaquer un 18. Ok, ok, ok. Non, attaquer ses 18. Les adversaires ne peuvent pas attaquer ses 18. Okay. Oui, oh, pas mal ça, la Whis, j'aime beaucoup. Cette Whis, elle est très forte. Elle est très très bien. Ok, la rare, ok. Ok, okay. Allez, attention je veux du Vegeta vert. Bah, dans le deck rouge, tu l'as combien de fois? Tu l'as 4 fois? Il faut la... Celle-là, il la fois. Ouais, ouais, il la fois en 4 fois dans le deck rouge. Ouais, elle est très très forte, c'est vrai. Et de toute façon, j'ai. Deck rouge est très fort. Donc, toi, tu joues pas plus que ça, toi? J'ai un deck rouge. Pourquoi tu joues pas plus que ça? Parce que je trouve plus intéressant le deck jaune ou. Vas-y, clique déjà. Vert, franchement, c'est. Non! 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 C'est vraiment un chien. Oh! Il y a une idée. Pourquoi tu m'as dit de cliquer sur. Non! C'était dans l'ordre, tu voulais faire c'est pas grave. Non, mais t'es là, on fait dans l'ordre des festifs. Il fait trop stylé, mais il est pas au courant. Mais je t'écoute pas, Pourquoi tu attaques ta propre race? Pas mal. Pas mal du coup celle-ci, dommage que je les ai craft du coup. Tu sais que la pan elle est incroyable dans le deck Black Goku si je te dis pas de bêtises. Tu drops 2 cartes et tu discardes 2 cartes. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal pour faire bleu, ton deck. Black Goku. C'est vrai que c'est. Et en plus, elle a plus 10 000 pour du combo. Bah, c'est aussi fort pour le deck Vegeta aussi. Elle a plus 10 000 en plus pour le combo. Merci, Kiss. C'est pas mal du tout, effectivement. Ok, Yamcha. Yamcha, oh la Gohan, pas mal la Gohan. Une point de vie. En haut à droite, elle est leader. Elle est leader. Oh, en alternative, la Gohan. En plus, vas-y, quand même, elle est incroyable. Elle est incroyable. On a eu deux alternatives leader quand même. J'en raconte la chance. Franchement, ouais, on est pas mal. Et du coup, les amis, il faut savoir que du coup, Sofiane s'engage à m'offrir un display. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Tu l'avais déjà en 4 fois. Non, mais c'est que moi j'arrive pas à l'avoir en 4 fois. Mais c'est la meilleure carte du deck, du deck jaune. Tu sais que là j'ai fait next, mais sans faire exprès, une fois j'ai cliqué sur skip. Ouais, et ça skip tout. Bah oui, ça skip. Oh là là, j'étais dégoûté. Oh, 2 SR. Ah là, il faut du Vegeta dedans, Case. Vados. Case, il faut incroyable. Du Vegeta. Vados, elle est incroyable. Case, il faut du Vegeta. C'est celle-là que t'as avec 3 tours. Ouais. T3 pour Ginyu. Rikum. Il faut du Vegeta vert en 4 énergies. Vegeta vert en 4 énergies SR, s'il te plaît. Vegeta vert en 4 énergies SR. Vegeta. Par contre, j'ai beaucoup là. Il y en a une autre. Ok. 3. Allez, 2. 1. Allez. Vegeta. Oui! Vegeta, c'est bon ça. Voilà les gars, c'est ça qu'on veut, c'est du Vegeta. C'est du Vegeta qu'on veut. Ok, 3. Ah non, non, normalement c'est celle-là toi. Vas-y, moi je fais. Parce qu'il peut y avoir de la il va avoir des fake out. Tiens, leader tu vois. Leader alt. Brillante. Ok. Kale. Black Goku. Okay. Oh, pas mal. La Gohan. Leader alternative. Let's go. Ok, c'est leader Android. Par contre, je l'avais pas, c'est une nouvelle. Okay. C'est bien, parce que moi j'ai le leader des Android. Ok, vas-y, à toi. Bah, évidemment, il prend le SR. Évidemment. Voilà. Une seule. Ok, une seule, tout ça pour ça.
Regarde, ça va être quoi? Regarde, ça va être quoi? Ok, Bulma. Ok, Trunks. Les Black Goku. Ok, pas mal le C17. Le C16. Celle-là, la C16 bloqueur. Okay. Let's go! Vegeta. Oh, oh, l'alternative, la double incroyable, strike. Incroyable. Ça c'est bon, ça. On dit merci incroyable. Qui merci qui on dit merci moi. Incroyable. Allez, c'est un moto. Master class, les amis. Je veux un fake out. Vas-y. Fake out. Allez, allez, allez. Ok. C'est pas. C'était possible. C'était possible. Ok. Elle est pas mal dans le deck. C'est pas mal pour le Beerus parce que je la joue. Celle-là elle est pas mal. Je la joue dans le deck rouge avec Beerus. Et elle est très forte, elle donne plus 10 000 à Beerus. C'est ça là que tu mets dans le deck, c'est le 7-7-18 parce qu'elle te permet, quand tu la joues, de la mettre KO et d'aller jouer une terrain. Un terrain, Docteur Labo. Docteur Giro Labo. Ouais, la extra. Labo Docteur. Pas mal, pas mal. Ok, les amis, la dernière. En mode Gunky Dama, max de pouces bleus, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Dites-nous si vous avez kiffé cette vidéo et let's go pour le pack final. Let's go. Ok. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on... Oh, tiens. Bah ouais, bon, c'est pas... mais bon, pourquoi pas. Ouais, ouais. C'est pas l'alt. C'est pas l'alternative, mais bon, on prend, hein. Ok. Ok, quand même, t'as eu quand même beaucoup de dessert. Non, franchement, j'ai eu quand même pas mal de choses. T'as quand même eu beaucoup de dessert. Mais attends, moi ici, je vois que pour 1 euro, on peut se refaire 10 multi. Hein. Non, non, laisse-moi tranquille. Mais attendez. Je garde les gemmes. On n'est jamais là. On n'est jamais là. En vrai, je suis content. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal. Pour 10 codes, pour 10 codes qu'on a rentrés, dont le Vegeta SR que je voulais absolument. Il me reste plus qu'un seul doublon à obtenir. Sait-on jamais si je peux craft un SR? Peut-être que du coup, ce sera bon. Merci à vous, en tout cas, les amis, d'avoir suivi cette vidéo. Merci également à Susuk et Yekes qui sont à la maison, qui me foutent le zbeul comme jamais. On n'arrive même pas à dormir, on n'arrive pas à bien se reposer. Ça me coûte très cher parce que c'est moi qui les nourris. Oh là, dinguerie. Il nous a payé un... Il nous a dit... Oui, il nous a payé, oui, effectivement. C'est quoi qu'il nous a pris déjà? Des mid-check. Un mid-check, ils nous ont fait. Ils ont fait, voilà, avec le Kinder Bueno et tout. Oh, le... Le taxi. Le taxi. Le péage, voilà. Le c'est vrai ou pas? Le taxi. Sois honnête. Ça, voilà, merci. Et, demain, il me paye un resto. Ouais, vas-y. Les amis, sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Ciao, ciao. J'en peux plus.